Alors ça, c'est la fameuse formule de Wigner sur l'efficacité des mathématiques. Effectivement, c'est un paradoxe, c'est-à-dire que un jeu qui est d'abord un jeu, enfin un jeu intellectuel, typiquement, enfin des regards sur des structures abstraites. Le meilleur exemple que je connaisse du point de vue du jeu, c'est Penrose qui s'amuse parce qu'il s'embête au chevet d'un de ses amis qui est malade et il cherche des pavages du plan, simplement mettre des petites tuiles sur le plan. Et puis, il trouve un pavage qui est ce qu'on appelle le pavage de Penrose, qui est un pavage non périodique, très 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 étrange, très étrange. Et quelques années après, quand on regarde les quasi-cristaux, donc du point de vue de la physique de la cristallographie, bon, on tombe en plein sur les pavages de Penrose. Et alors, commentaire de Penrose, tiens, ben, tu sais, j'avais pas perdu mon temps. Bon, donc on voit que cette espèce de jeu intellectuel a un impact par rapport à une lecture de la réalité. La grosse difficulté de la vulgarisation des mathématiques, c'est que c'est bicéphale en quelque sorte. Il y a un aspect de linguistique qui est difficile à comprendre, comme je l'ai dit, et puis il y a un aspect scientifique. Il se trouve que c'est une science qui effectivement, d'abord se génère elle-même, mais en même temps est influencée par les sciences extérieures. Alors, d'un point de vue des implications qui sont des implications philosophiques, l'implication philosophique, c'est évidemment comment se fait-il que cette langue devient le langage du monde, si on reprend la formule de Galilée. Donc, comment se fait-il qu'il y ait une pertinence par rapport à la description. Et on est dans des domaines paradoxaux, c'est-à-dire si on, d'une certaine manière, plus la science devient abstraitement mathématique, plus elle est efficace. Exemple, la mécanique quantique ou la chromodynamique quantique qui est d'une efficacité invraisemblable. Il y a 22 décimales de cohérence avec le réel. C'est ce qui est stupéfiant. Enfin, et d'autre part, du regard sur le monde, c'est une géométrisation du monde. Hein. C'est assez extraordinaire. Donc la géométrie a l'air d'être quelque chose qui est cohérente avec une description même de l'infiniment petit. La mécanique quantique, c'est une géométrie en dimension infinie. La relativité, c'est une géométrie en dimension 4. Alors les implications qui sont d'autres implications du type religieux, pourquoi on peut se poser la question. Alors ça, si on regarde ça maintenant d'un point de vue religieux, messieurs, c'est le livre de la sagesse dit que Dieu a tout fait avec ordre, poids et mesure. Comme si d'une certaine manière, il incitait à une réflexion d'un autre type sur la réalité. Et donc sur une modélisation de la réalité qui est celle qui est naturellement inscrite dans l'intelligence humaine. C'est pas quelque chose qui est réservé à un certain nombre de personnages. Il y en a qui réussissent plus ou moins. Mais il y a incontestablement un désir de tirer des concepts, de ces concepts, de tirer des structures, de ces structures, de les faire interagir entre elles et d'en déduire d'autres choses. Donc on voit bien que, en quelque sorte, la mathématique résume la cohérence de l'intelligence humaine par rapport au regard sur le réel. Bon, alors le théorème de Gödel est un théorème qui est intéressant parce que c'est un théorème qui en quelque sorte montre la maturité d'une science par rapport à elle-même. Le théorème de Gödel dit la mathématique n'épuise pas toute la vérité. C'est-à-dire tout ce qui est démontrable n'est pas en relation directe avec la véracité. Donc véracité et démonstrabilité sont deux notions qui sont indépendantes. Le théorème de Gödel aussi a un impact énorme parce que, étant donné que toute la science contemporaine, je parle de la science dure, c'est-à-dire la physique des particules, que la physique des fluides, etc., dépend de l'infrastructure, évidemment, des mathématiques, ça veut dire qu'on ne peut pas assurer que la physique contemporaine épuise la réalité. Donc, indirectement, le théorème de Gödel implique une limitation de la science par le fait même qu'il dit de lui-même qu'il ne peut pas assurer la consistance des mathématiques. Or, les mathématiques sont ce qui est utilisé de manière fondamentale dans la description du réel. Donc on voit bien que ça a un impact qui est extrêmement fort, extrêmement fort. Bon, à part ça, le théorème de Gödel en lui-même est une prouesse technique, enfin, si on veut quand même saluer Kurt Gödel pour ça, qui était d'ailleurs, on l'oublie trop souvent, et qui était d'origine tchèque, il était d'ailleurs de Brno, c'est-à-dire de la même ville où était Georg Mendel, les petits pois. Donc c'est une ville qui a curieusement produit deux génies. Alors,
Alors, si on regarde l'histoire des maths, on s'aperçoit que, d'une certaine manière, l'histoire des maths, on peut en prendre au moins un prototype, c'est l'histoire du zéro. Le zéro est en fait une décoction, en quelque sorte, d'une multiple où le monde musulman a joué un rôle essentiel. La structure du zéro, les chiffres arabes, c'est bien clair, a joué un rôle tout à fait crucial. C'est-à-dire l'algèbre, mot arabe de nouveau, qui a été mis en place par Al-Khwarizmi, qui a donné le nom à algorithme. Donc on voit combien le monde musulman, en quelque sorte, a été imprégné par une arithmétique et une algèbre, donc un jeu de nombres qui a été sans arrêt présent. On peut se dire que, paradoxalement, on pourrait imaginer qu'il y ait plus de chercheurs mathématiques dans, le Moyen-Orient. On les trouve, évidemment. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui sont tunisiens, marocains, algériens, qui sont des mathématiciens brillants. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de connivence intellectuelle, en quelque sorte, entre la spéculation intellectuelle mathématique et le monde, qui est le monde, le monde du Coran, pour dire simple. Donc, il y a une sorte de lieu de rencontre, incontestablement, même si le Coran n'est pas un théorème mathématique, évidemment, et réciproquement, la mathématique s'est déployée sans qu'il y ait une lecture du Coran. Bien sûr, c'est absolument clair. C'est-à-dire que toute physique suppose une métaphysique. Tous les exemples, c'est des exemples abondants. Par exemple, la recherche de symétrie. Prenons par exemple un athée militant, puisqu'il y a eu cette fameuse blague d'Heisenberg, Dieu n'existe pas et Dirac est son prophète. Qui était donc relatif à l'affirmation de Dirac comme quoi Dieu n'était pas une hypothèse, pour reprendre une autre formule. Dirac regarde l'équation de Schrödinger et dit « mais elle n'est pas suffisamment symétrique, je ne la trouve pas suffisamment belle ». Donc on n'est plus du tout dans la physique, là. On est dans la métaphysique. Et c'est la beauté de l'équation, il se dit je vais la rendre beaucoup plus belle, et qu'est-ce qu'il trouve à la fin ? Il trouve en fait l'antimatière. Donc, dans une démarche qui est une démarche complètement métaphysique, il retombe sur quelque chose qui est profondément réalité, c'est-à-dire le problème de l'antimatière. Donc, on voit bien que même les dogmatistes d'un athéisme pur et dur se font prendre les pieds dans le tapis, parce qu'ils sont obligés d'avoir une attitude qui est une attitude métaphysique, même s'ils ne veulent pas l'avouer. Il y avait l'autre formule, c'était de Russell. On a conservé la causalité comme on a conservé la monarchie anglaise, mais on aurait dû s'en méfier. Bon, je veux dire, ce sont des phrases qui sont des phrases à l'emporte-pièce, qui montrent bien que les attaques sur la métaphysique se font sur deux flancs, le flanc de la causalité et le flanc de la finalité. Mais en fait, ils sont tous obligés d'utiliser la causalité, tous obligés d'utiliser la finalité. Parce que s'il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de cohérence. Et s'il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de science.